une équipe très difficile à jouer, on le sait. Donc voilà, essayons de trouver. Je trouve qu'à l'Antwerp, on l'avait pas mal fait. Malheureusement, on encaisse ce but à la fin. Et l'Antwerp a aussi certaines armes dont il faut tenir compte, pas seulement le physique. Ils marquent de certaines manières et ils ont des qualités dont il faut tenir compte parce que ça peut être dangereux. C'est toujours bien de débuter à la maison. Après, voilà, on va tous les passer, les équipes. Mais c'est vrai que c'est toujours bien devant nos supporters, devant tout le monde, etc., de débuter à la maison. Leur mission est très simple pour nous. C'est essayer de faire mieux contre ces 5 équipes que ce qu'on a fait dans la période classique. Voilà. Donc, si on peut s'améliorer à ce niveau-là, c'est déjà positif. Bien sûr, on va se battre à chaque match et on va jouer chaque match pour essayer d'engranger le maximum, mais sans grande projection. Maintenant, un objectif, si on arrive à faire mieux que ça, ce sera déjà bien pour moi. Dans le football, tu ne sais jamais, hein, ce qui a été fait hier, c'est pas ce qui va se passer demain. Donc demain, il faudra prendre le... C'est un nouveau match, il faut oublier ce qu'on a fait au passé et être bien concentré, et faire ce qu'on a toujours fait, et puis après, essayer d'obtenir un résultat, même si on sait que ça peut être facile. Il faudra que toute l'équipe hausse encore son rythme et son niveau par rapport à ce qu'on a pu faire dans certains matchs, si on veut avoir un rôle à jouer et si on veut atteindre l'objectif dont je vous ai parlé. Il faudra, parce qu'on sait que les playoffs, c'est chaque match à fond. Et s'il y a des périodes de match ou des matchs où on n'est pas là, ça se paye directement. Quoi, parce qu'il n'y a pratiquement pas de différence de qualité entre les adversaires.